tu veux pas manger? Allez, faut manger. Noah, ouvre la bouche. Allez. Maman. Noah. Allez, fais plaisir à mémé. Vas-y. Bon, Ilan, qu'est-ce que tu fous là? On a fini de manger, nous. Franchement, ça se fait pas. Un peu encore. Rappelle au moins. Bah oui, c'est la petite vache. Tu vois, la vache. Alors? Mais il est sur répondeur. Ça ressemble pas à ton frère, ça. Il avait dit qu'il viendrait. Mais c'est pas grave, maman. Mais il avait dit qu'il viendrait. Justement, pour une fois. Il fait la fête cette nuit, c'est tout. Bon, allez, on va faire la sieste. Mais ça serait mieux. Avec mamie. Non, peu. Non, pas d'histoire. Avec mamie. Va venir, Ilan. Allez, ma chérie. Oh, là. Un tout petit dodo. Vous voulez un café? Je vais le faire. Tu veux des noix? Non. Ah. Allô? C'est qui? C'est Ilan? Non, c'est Moni. Pas de nouvelles d'Ilan depuis hier. Il devait rentrer à la maison, il est pas rentré. J'ai souvent un coup de téléphone d'un mec qui m'a dit que t'as un pote d'Ilan. Quoi? Il veut que j'aille voir sur mon adresse mail, mais ça marche pas. J'arrive pas à me connecter. Il dit qu'Ilan a des ennuis. Donne-moi l'adresse. L'adresse, c'est mer855. Qu'est-ce qu'elle a dit là? mer855@hotmail.fr. Répète, s'il te plaît. C'est mer855@hotmail.fr. Le mot de passe, c'est merci avec un S. Oh, ça marche pas, je le fais, ça marche pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il est pas rentré? Il a ne fait jamais ça d'habitude. Je comprends c'est pas. Mon... Pourquoi j'ai aucune nouvelle de personne? J'essaie d'appeler tout le monde, personne. Ça télécharge. Personne n'a aucune nouvelle. Il a été enlevé. Enlevé? Comment? C'est comment ça? Je comprends pas. Comment ça? Moni, je te rappelle. Rappuie, raccroche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Pour le libérer, il demande une rançon. Nous sommes possession de Ilan et sa vie est menacée de mort. Nous réclamons 450 000 euros pour sa libération. J'attends votre réponse à partir de l'adresse mer855@hotmail.fr sur l'adresse expéditrice avant 19h30. Tout ce qui sera considéré comme entravé à notre volonté sera pris pour responsable direct. Et une photo avec. Juste un coup sur les yeux, il tient le journal, c'est tout. Faut prévenir votre père.